Eh oui, Jamy, pour lutter contre la pénurie d'énergie qui va nous tomber sur le coin de la gueule cet hiver, j'ai fait installer une centrale nucléaire dans mon jardin. Alors tu vois, Jamy, ici, à la base, se tenait ma maison. Mais depuis que j'ai fait installer cette centrale nucléaire dans mon jardin, eh bien, j'ai dû remplacer ma maison par un parking pour que tous les employés de la centrale nucléaire, eh bien, ils puissent venir bosser. Bon, maintenant, j'habite dans une cabane de jardin, mais t'as vu, c'est pas compliqué de créer de l'emploi en France, Jamy. Alors j'imagine, Jamy, que tu vas me demander, mais comment as-tu pu trouver la thune pour t'acheter une centrale nucléaire? Eh bien, c'est très très simple, Jamy, c'est parce que c'est une centrale nucléaire en kit. Tu connais les éditions Altaïa? Eh bien, ils font pas que des maquettes de bateaux ou des figurines, ils font aussi des centrales nucléaires. Et ça ne m'a coûté que 180 927 euros. Et des centrales nucléaires en kit, il y en a des tonnes. Mais comme pour les modèles de Lego Star Wars qui sortent actuellement, personne n'en achète parce qu'ils ne savent pas où les ranger. Ouais, nous, chez Altaïa, on en avait un peu ras le cul de vendre des maquettes du Falcon Millennium en 27 volumes. Alors moi je leur ai dit, vas-y, on fait une reconstitution de la centrale de Tchernobyl. Et ils m'ont dit banco. Alors tu vois, Jamy, quand on possède une centrale nucléaire dans son jardin, on ne peut plus se permettre d'avoir une couille qui dépasse quand on regarde les cordiers jugés fixes sur Salto sur son canapé. Eh oui, Jamy, il y a désormais tout un dress code qu'il faut respecter à la lettre. Alors tu vois, Jamy, quand on fait l'acquisition d'une centrale nucléaire, eh ben, on nous fournit une piscine. Eh, c'est pas génial ça, Jamy? Moi, depuis des années, je m'achète du McDo, eh ben, je n'ai toujours pas mon cancer. Ici, Jamy, je suis dans la partie qui a été la plus compliquée à construire parce que je vois pas les couleurs. Et oui, je vote France Insoumise. Mais c'est depuis cette salle de contrôle que j'arrive à maîtriser l'énergie que produit ma centrale nucléaire personnelle. Et ben ça, tu vois, c'est vachement utile. Mais il y a tellement de boutons, je sais plus comment on augmente la chaudière, moi, Jamy. Autour de moi, ce ne sont pas des déchets nucléaires, ce sont des lettres d'insultes parce que depuis que j'ai une centrale nucléaire, tout mon entourage a le seum.